Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour découvrir la montée de la Medio Fondo entre Apro et Nanda. Et ici, nous allons quitter le bord du Rhône pour attaquer cette montée que je connais personnellement très bien pour l'avoir effectuée une bonne centaine de fois. Enfin, surtout le secteur entre Apro et Basse Nanda. Montée souvent utilisée par le Tour de Romandie et même un Tour de Suisse si je ne fais pas erreur. C'est aussi ici ma montée d'entraînement. Alors, dès l'entrée dans le village d'Apro, nous nous retrouvons déjà dans du 4%. Mais je vous rassure, cette montée est très progressive, surtout en début de parcours, puisque les deux premiers kilomètres ne dépassent pas les 6% de pente moyenne. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici avec un vélo de contre-la-montre. Le but était de le tester sur une longue montée. Je n'ai vraiment pas utilisé les prolongateurs. Je ne vais pas utiliser, pardon, les prolongateurs durant la montée pour que vous ayez une bonne vision de la route et non de mes bras. Alors malheureusement, un problème technique m'a obligé à changer de vélo en cours de route, comme vous allez le découvrir dans quelques kilomètres. Et nous, justement, nous allons nous retrouver juste un peu avant ce moment avec le premier changement de pente. Pour rappel, nous serons dans ce début de partie sur du 6% de pente moyenne.
Et nous voilà de retour pour aborder, après un très léger replat, la première véritable difficulté, et même s'il est tout à fait possible de franchir ces premiers kilomètres sur le gros plateau, c'est ici que la pente va définitivement vous obliger à passer le petit pignon. Personnellement, je ne conseille pas de la monter sur gros plateau, même si cela permet de monter plus vite. Vous dépenserez beaucoup d'énergie qui sera perdue par la suite. Et vu ce qui vous attend, vous allez en avoir besoin. Quoique les meilleurs ne devraient pas avoir de soucis de ce côté-là. Nous allons atteindre ici pour la première fois du 9% avec quelques variations entre 8 et 10. Ce n'est qu'au premier virage à l'intérieur du village de fer que nous retrouverons une pente de 7%. Alors vous allez très vite vous en rendre compte que ce pourcentage sera de courte durée. Heureusement, à la sortie de fer, nous aurons un replat et c'est justement là que nous allons nous retrouver. Thank you.
Thank you.
voilà à la sortie du village de Fay avec un replat et une pente à 2% avec une légère redescente. Les meilleurs profiteront de l'occasion pour mettre le gros plateau. Moi je vous conseille plutôt de profiter de cet instant, pas forcément pour admirer le paysage, même s'il est magnifique avec ses abricotiers et cette vue imprenable sur le nord des Alpes valaisannes. Cet endroit est vraiment propice pour vous alimenter, manger bien, buvez bien, car si vous regardez bien devant vous, vous verrez poindre au loin la route qui se dresse devant vous. Et croyez-moi, durant ces quelques kilomètres, essayez de prendre votre gourde vous demandera bien trop d'efforts. Car oui, c'est ici que la pente sera le plus dure, avec un max annoncé à 17%. Pour ma part, je n'ai atteint que les 16% ce jour-là. Vous pouvez constater que nous aurons deux véritables enchaînements. Le premier un peu plus long, avec du 11% et un max à 14%. Puis un second un peu plus court, mais aussi un peu plus dur. La suite va être un peu plus régulière, avec du 9% avant d'atteindre un replat qui vous permettra de reprendre votre souffle. Comme tout à l'heure, les meilleurs vont profiter pour remettre la galette, surtout que le profil qui suivra sera légèrement descendant. Comme toujours, je privilégie à cet instant une récupération active, c'est-à-dire que je tourne les jambes sans véritablement forcer. Après, si vous voulez réaliser un chrono, forcément vous devrez monter grand plateau. Mais attention, après cette légère descente, la pente va très vite reprendre des pourcentages avec du 4%, mais qui peut faire très mal aux jambes si vous tentez le passage en force. Nous allons nous retrouver, nous, à la prochaine intersection.
nouveau de retour pour la suite de cette montée avec une pente moyenne de 8% pour ce début de partie. Alors nous allons même retrouver un replat peu après avoir quitté la route principale. C'est après ce léger replat que vous allez rejoindre les autres parcours et nous on va justement se retrouver à ce point précis.
Et voilà, vous avez rejoint le parcours qu'emprunteront toutes les autres catégories. Selon votre niveau, il est possible que vous ne croisiez personne, mais si vous êtes monté tranquillement, vous aurez peut-être la chance de voir passer les meilleurs coureurs partis quelques heures avant vous. Moi, je vous laisse profiter de ce dernier kilomètre très régulier à une pente moyenne de 7 voire 8%. Et si vous voulez voir le final jusqu'au sommet, je vous invite à découvrir la suite qui a été réalisée lors de la première saison. Et je vous rassure, il n'y a plus de travaux. Alors, je vous laisse bien entendu le lien en dessous de la vidéo et à la fin de celle-ci. Allez, moi, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Bye bye! Thank you.